en finale du dernier mondial la saison dernière en Italie. Ballon toujours pour les Anglais avec Robson. On attaque la ligne avec Ryan Mills qui franchit, rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France. La défense des Bleuets tient le coup, tient le choc. Des Anglais très entreprenants qui de suite veulent marquer le terrain et le match. Ils ont beaucoup d'ambition dans leur jeu. Ils le montrent d'entrée avec de Gloucester qui va tenter d'ouvrir le score. 22 mètres face au poteau pratiquement. Pied droit, ça, la pénalité pour l'équipe de France. Et sur ce ralenti de tête d'Aricon, notre réalisateur, on le revoit, la décision de l'arbitre italien. On devrait côté, sur son bon pied, comme on dit. Les 22 mètres. Et ça passe. Les gars au large. Et ils sont dangereux sur chaque prise de balle. Ces jeunes Anglais, à l'image encore ici du numéro 8, Clifford, qui a franchi et qui rentre dans les 22 mètres. Pause. Engage. Le mec qui tourne. Et encore un beau travail du pack. L'introduction de Dame Robson sur les 30 mètres anglais. Le ballon récupéré par Karl Chateau. On enchaîne sur le fermier Cochard pour Astru. Les couleurs de Béziers auparavant. Et Tomé Cochard a la possibilité. Pour la première fois dans ce match, c'est fait. Bouge, gros travail encore des avant, mais les Anglais peuvent lancer l'offensive avec Mills. Quelle interception superbe de Fuster. Il faut maintenant mettre les cartes. Il a le soutien à droite. C'est Arthur qui a pris le contre et qui a servi Donvo. Passe en avant. C'était Johan Arthur. Le rideau défensif des Bleus et le jeu qui rebondit. Mills qui essaie de naviguer, qui a franchi le premier rideau. Oh là-bas, il y a une solution sur l'aile. Heureusement. L'équipe de France 6-3. Mais pour l'instant, ce sont les Anglais qui dominent avec cette conquête en touche. Et ce ballon porté. Oh, ils sont dans l'embut. Ils sont dans l'embut. Arbitrage vidéo demandé par Manu Marama. Alors, c'est ici. Pénétrant. On est derrière la conquête. Bon, je ne vois pas comment il ne peut pas commencer. Thank you. Voilà. Et c'est accordé. Ce qui est sûr, c'est que les Anglais vont marquer au moins 5 points. La transformation passe à côté. Il a réussi à faire sur les 60 dernières minutes, mais bon, il en reste 10. Il faut tout donner, il faut continuer. Demine Bélé des Saracens, grosse poussée des Bleuets. Silence dans le stade. À toi, Tom. Allez. Elle est belle. Elle passe. Le contrôle du ballon, on joue debout, on se structure autour du talonneur et de Clermont. Ils avancent, les Français, ils avancent, et l'avantage en cours, un avantage en cours pour donner 4 points d'avance à cette équipe de France qui serait à l'abri d'une pénalité, d'un drop. Elle passe, le plus vite de stade de la ville est debout, la réussite des Cochards. Son temps, conquête, touche courte, ballon écarté. Dernière offensive anglaise. Attention, il ne faut pas rater le blocage. Ballon perdu. Bonne défense. Coup de sifflet. Et c'est la fin du match.